Bonjour, on va commencer le chapitre d'arthrologie par un complexe articulaire qui est le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule est un ensemble articulaire qui assure le lien entre le thorax et le membre thoracique. Il va assurer l'orientation spatiale du membre thoracique. En fait, c'est un complexe qui est composé de cinq articulations, trois vraies articulations et deux espaces de glissement. La principale articulation est l'articulation scapulo-humérale qu'on va voir aujourd'hui. On l'appelle également articulation glino-humérale qui va unir la scapula à la tête humérale. La deuxième articulation, c'est l'articulation sterno-costo-claviculaire qui va unir donc le sternum à l'extrémité médiale de la clavicule. La troisième vraie articulation, c'est l'articulation acromio-claviculaire qui va être entre l'extrémité latérale de la clavicule et l'acromion. Deux surfaces de glissement donc sont des fausses articulations. L'espace de glissement sous-acromio-deltoïdien et l'espace de glissement scapulo-thoracique. On va étudier aujourd'hui l'articulation scapulo-humérale. Voici le plan du cours. On va commencer par définir l'articulation, puis on va voir les surfaces articulaires, les moyens d'union, les surfaces de glissement, donc la synoviale, un peu donc de physiologie articulaire et vers la fin, on va terminer par l'intérêt clinique. Définition de l'articulation scapulo-humérale. C'est une articulation de la classe des diarthroses, donc de variété sphéroïde, inarthrose. Elle va unir la cavité glinoïdale de la scapula à la tête humérale. C'est une articulation à 3 degrés de liberté. Elle est très mobile, mais au contraire, elle est fragile. Articulaires. Ils sont représentés par trois éléments. La cavité glinoïdale de la scapula, la tête humérale et le labrium ou le bourrelet glinoïdien. Glinoïdale, c'est une cavité articulaire située à l'angle supérolatéral de la scapula. Elle a une forme d'une poire, donc c'est une surface piriforme, elle est presque plane, peu concave. Donc, qui va s'articuler avec la tête humérale à grosse extrémité inférieure. Elle présente sur son bord antérieur une petite incisure qu'on appelle l'incisure glinoïdale. C'est le point de faiblesse de cette cavité. Elle est encroûtée par du cartilage hyalin. Elle regarde en haut, en avant et en dehors. La tête humérale. La tête humérale est située à l'épiphyse proximale de l'humérus. Elle a la forme d'une tière d'une sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde en haut, en dedans et en arrière. Elle est séparée du tubercule majeur et mineur par le col anatomique. Elle est recouverte par une couche uniforme de cartilage. Elle fait un angle cervico-diaphysaire à peu près de 130 degrés. Le labrium glinoïdien, appelé également bourrelet, c'est un fibrocartilage annulaire qui s'attache sur la cavité glinoïdale. Voilà. Son rôle, c'est d'augmenter la profondeur de la cavité glinoïdale pour permettre une meilleure adaptation avec la tête humérale. Le labrium, il a une forme prismatique triangulaire avec trois faces. Une face axiale, latérale, qui est encroûtée du cartilage. Une face périphérique qui va être adhérente à la capsule. Et une troisième face médiale adhérente à la cavité glinoïdale. D'union, ils sont représentés par la capsule et les ligaments. On a les ligaments passifs et les ligaments actifs. Premièrement, la capsule articulaire. C'est un manchon fibreux de forme conique à base humérale qui va s'attacher sur la scapula et l'humérus.
Elle s'insère sur le nimbus glénoïdal de la scapula, sur le col anatomique de la tête humérale et sur la face périphérique du labrion. Voici la capsule en vert. Donc, elle s'attache sur le nimbus glénoïdal et sur le col anatomique de l'hémérus. Les ligaments passifs. Premièrement, le ligament coraco-huméral, le plus résistant. Il est composé de deux faisceaux avec une origine commune. L'origine, c'est le processus coracoïde. Et la terminaison, il va se terminer par deux faisceaux trochantériens et trochantiniens, donc sur le tubercule majeur et le tubercule mineur. Les deux faisceaux du ligament coraco-huméral sont reliés entre eux, formant le ligament huméral transverse. Ce ligament huméral transverse, il va passer en pont au-dessus du sillon intertuberculaire qui va le transformer en un canal ou un tunnel pour le passage du tendon du chef long du biceps. Ligaments gléno-huméraux. Ils sont en nombre de trois. Supérieur, moyen et inférieur. Il s'insère sur le labrium et le col de la scapule. Et se termine, donc pour le supérieur, il va se terminer au-dessus du tubercule mineur. Pour le moyen, il va se terminer sur la partie inférieure du tubercule mineur. Et l'inférieur, il va se terminer au niveau du col chirurgical. Voici les trois ligaments gléno-huméraux qui renforce l'articulation scapulo-humérale en avant, donc le gléno-huméral supérieur, le gléno-huméral moyen et le gléno-huméral inférieur. Diapo, on voit les différents ligaments. Donc on a le premier ligament, c'est le ligament coraco-huméral, le supérieur et le plus puissant, donc avec ses deux faisceaux, supérieur et inférieur. Le ligament transverse, donc, on transforme le sillon intertuberculaire en un tunnel pour le passage du tendon du biceps. Les trois ligaments gléno-huméraux, supérieur, moyen et inférieur. Et également ici, on voit un ligament qui va maintenir l'articulation scapulo-humérale. C'est un ligament donc scapulo-scapulaire. C'est le ligament coraco-acromial. Ces trois ligaments, ils vont délimiter entre eux deux interstices. Donc le foramen ovale entre le supérieur et le moyen et le foramen de Rouvière, ou on l'appelle également l'orifice sous-coracoïdien entre le moyen et l'inférieur. À ce niveau, la capsule est mince et laisse passer la tête humérale dans les luxations antéro-inférieures. En arrière, la capsule elle est renforcée par un seul faisceau ligamentaire, qu'on appelle le ligament coraco-glénoïdien. Il est tendu de la partie postérieure du bord latéral du processus coracoïde et va se terminer sur le bourrelet glénoïdien. Ligaments actifs, ce sont les muscles qui entourent l'articulation et vont stabiliser la tête humérale, surtout au cours de l'abduction. Principalement, c'est les muscles deltoïdes. Également, on a les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs. Ces muscles-là, ils sont représentés par donc, le muscle subscapulaire, le tendon du long biceps, le muscle supraépineux, infraépineux et petit rond. Les moyens de glissement sont représentés par le cartilage articulaire et la membrane synoviale. Cette membrane synoviale, c'est un tissu conjonctif qui va tapisser la face profonde de la capsule. Il sécrète un liquide qu'on appelle le liquide synovial. Le liquide synovial, il a un rôle de lubrifiant. Il va lubrifier les surfaces articulaires et il va nourrir le cartilage. Également, la membrane synoviale, donc elle va engainer le tendon du chef long du biceps et au niveau de la partie inférieure de l'articulation, elle est relevée par des fibres récurrentes, donc qu'on appelle les freins capsulaires. Le mécanisme articulaire. L'articulation scapulo-humérale, c'est une articulation très mobile
à 3 degrés de liberté. Elle va faire toutes sortes de mouvements dans les trois plans de l'espace. Elle va faire la flexion-extension, donc l'antipulsion-rétropulsion, l'adduction-l'abduction et les mouvements de rotation. Les mouvements de flexion-extension se font dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. Le mouvement de l'abduction et adduction se font dans un plan frontal autour d'un axe antéro-postérieur. Mouvements de rotation, ils se font dans un plan transversal autour de l'axe vertical. Et on a le mouvement combiné, la résultante de tous ces mouvements-là, c'est ce qu'on appelle le mouvement de surconduction.